Bonjour à tous, c'est Joram et je vous souhaite la bienvenue dans cette saison 2 de Craftons et Dragons. Comme vous le savez peut-être, voilà, la saison 1 a dû s'arrêter un petit peu précipitamment pour cause de soucis techniques à cause d'un mod, voilà, donc je redémarre une saison 2 qui j'espère sera encore meilleure. Voilà, je viens d'arriver dans un nouveau monde qui m'a l'air pas mal du tout. Pour info, je joue en 1.12.2 avec pas mal de modes, hein, quand même. Beaucoup ont bougé depuis la saison 1, hein, y en a que j'ai changé, pas mal que j'ai changé d'ailleurs, dont celui pour la génération du monde évidemment. Un mode qui est resté, c'est Ice and Fire, hein, avec les hippogriffes, hein, que vous voyez passer un petit peu dans les environs. Voilà, parce que un de mes objectifs dans cette saison, ce sera encore de défaire un grand dragon, de récupérer un œuf de dragon pour avoir mon dragon à moi. En même temps, j'essaierai d'apprivoiser pas mal d'autres... Ah, on voit un amphithère derrière moi, c'est un autre reptile qu'on peut apprivoiser aussi, vous voyez. Par contre, il ne se laisse pas faire, on peut le monter, mais il donne des coups de bec et voilà. Donc il faudrait que je sois un peu plus armuré pour ça. Bon, ils font que de me distraire, hein, derrière. Donc je parlais des modes, ouais. Un mode très important aussi là que je vais utiliser dans cette saison, ce sera Tomcraft. Un mode de magie, de recherche magique. Voilà, parce que en même temps de vouloir avoir mon propre dragon, je voudrais bien devenir un grand sorcier. Voilà. Et puis même bâtir une belle tour, voilà, digne de mon futur rang de plus grand sorcier. Allez, eh bien écoutez, on va reprendre les bases, hein, maintenant qu'on est là. On a du bois ici, donc on va le récupérer, se faire notre première table de craft, et faire des premiers outils. Je vais faire seulement une pioche en bois, je pense, pour récolter de la pierre et passer tout de suite à des outils en pierre avant de trouver un peu de fer. Allez, on se fait notre petite planche. Non. Avec, voilà, un bloc supplémentaire, ça sera beaucoup mieux. Allez, premier établi. Des petits sticks. Allez, petite pioche. Voilà. Je fais pas les autres outils en bois, hein, parce qu'on va pas les utiliser, hein, de toute façon. Là, ce qui serait bien... Bon, c'est joli ici, hein. En tout cas, je suis tombé dans un bel environnement. Ce qui serait bien, c'est que je trouve une grotte. Ah, peut-être ici. Je vois une ouverture. Ah, non, malheureusement. Une grotte pour trouver du fer. Ah, là, ça a l'air d'être mieux, déjà. Oui, bon déjà, on a de la pierre. Alors écoutez, je récolte un peu de pierre, hein, pour me faire mes premiers outils et ma première épée. Et j'entends un squelette. Oh. Roche certidambre. Ok, c'est un minerai de Tomcraft. Ça nous servira, je pense, pour la magie. Et là déjà on va se fabriquer une première pioche en pierre, voilà, donc celle en bois, hein, je la jette tout de suite. Et je vais me faire une petite épée. Hop. Voilà, déjà avec ça on sera un petit peu mieux. Je suis pas sûr de pouvoir miner ça avec une pioche en pierre, on va le faire tout de suite. Allez écoutez, eh bien, on va commencer à avancer. Ok, premier ennemi. Oula, un autre. Attention. Ah, il a peur de moi. Où est-il? Où est-il? Ouais, ok. Je vais juste chercher un petit peu à manger parce que là, je suis déjà très mal. Oh là là. C'est les débuts, hein. On a tendance à oublier après qu'on a, voilà, une armure de base. Oh là là, bah, qu'est-ce qui m'arrive? Ok, c'est... D'accord. Sumac grimpant, c'est ça, ça doit être une plante empoisonnée. Bon, super, j'ai un demi-cœur.
Tout va bien. Pas de panique. Ah, ça, il me semble que j'ai vu que ça donnait à manger. Buisson AB. Yes. Ouf. Est-ce qu'il y en a d'autres? Ouais. Mince, oh là là, j'ai cassé le buisson. Par contre, on va faire attention aux hippogriffes. C'est pas le moment de se faire attaquer. C'est tout. J'aurais bien pris d'autres baies encore. Bon, c'est déjà pas mal. Faudrait que ma vie remonte un peu. Ah là là. Les débuts sont pas évidents. C'est ça, c'est ces plantes vénéneuses là. Je sais pas si redonne des baies après. Il n'y a pas d'autres? Ou un cochon? Ou quelque chose? Oh, j'avais trouvé ma grotte! On a des champignons là. C'est quoi ces champignons? Amanite. Je suis pas sûr que ça se mange. Ah! Mouton! Mouton! Viens là, viens là, viens là! Yes, côtelette! J'aimerais juste remonter, voilà. Voilà, que ma vie remonte. Les hippogriffes partout. Ah, il y a un autre mouton. Oui. Super. Je suis mieux déjà. Allez, la vie remonte. J'ai deux laines en plus. Bon, pas de quoi faire un lit, mais c'est déjà pas mal. Allez, ma grotte, par où était-elle? Qu'est-ce que c'était ce bruit? Des animaux que je ne connais pas encore. Ma grotte était où? Par là, je crois. Oh, qu'est-ce que c'est? Ma grotte. J'aime pas ces hippogriffes là, j'ai peur qu'ils m'attaquent. Bon, je suis pas à fond en vie, mais écoutez, on va s'en contenter, hein. Où est-ce qu'elle était ma grotte là que j'ai trouvée? Elle était par là, je crois, non? Oui, là. Allez, on va avancer un petit peu. Là, faudrait que je trouve du charbon. Yes, il y en a ici. Je fais une torche tout de suite pour que tout le monde y voit plus clair. Voilà. Allez, je mine. Je mine le charbon. Et on se retrouve. Allez, ça y est, j'ai fait pas mal de torches. Et on a... Oh, c'est joli ça. Ça brille. On a du fer. Donc ça, c'est cool. On va pouvoir se faire notre premier équipement. Hein. On sera mieux là. Parce que là, c'est pas possible. Voilà. En plus, il fait nuit. Il va faire nuit, on dirait. Et il y a du fer là, ici aussi. Ambre. Bon, écoutez, je finis de récolter ce fer là je le fais cuire. Ça y est, allez, j'ai fait fondre le fer, j'ai pu me faire un petit casque, une épée en fer et une pioche en fer. Voilà. Pour commencer, ça sera pas mal. Ah, mais du coup, je vais peut-être pouvoir miner ça. Ok. Ambre. On peut faire un bloc d'ambre. Et puis, écoutez, on verra bien ce qu'on en fait plus tard. Allez, on va essayer d'avancer un petit peu, hein, du coup. Oh, on a des choses intéressantes, là. Donc, champignons luisants. Ok. Minerai de quartz. Ok, on peut récupérer du quartz du nether ici. Ça, c'est cool. Je vais récolter le charbon après. Ah, nos premiers cristaux. C'est avec ces cristaux qu'on va faire de la magie. Vos doigts fourmillent étrangement lorsque vous avez le cristal en main. Qu'est-ce que cela veut dire? Un peu de repos vous inspirera sûrement. Ok, donc, il faudra que je fasse un lit. Et il devrait se
passer quelque chose, on verra bien. C'est quoi des cristaux Ignis? Ok, donc il y a plusieurs couleurs normalement de cristaux. Voilà, mais là j'ai trouvé 4 de cette sorte là. Là, du coup, on a du quartz. Waouh! Ah oui, c'est encore Ignis, le feu, ok. C'est peut-être... Ouh là là, j'entends les hippogriffes là-haut. Allez, on avance prudemment. Ah ok, c'est bien, on a du fer à récupérer, du charbon. Bon, par là, c'est terminé. Et je vais voir un autre embranchement, je reviendrai là après. Là, on a encore de l'ambre. Par là, apparemment, il n'y a plus rien. Et j'avais un autre passage ici. Ok, plus rien non plus. Ah, ici un peu d'ambre là. Bon, je récolte un petit peu tous les minerais là qu'il y a dans les coins. Hein. On va pas gaspiller tout ça. Et puis on se retrouve. Allez, voilà, j'ai pu me faire un plastron et une hache. Voilà, on est un petit peu mieux. Et mine de rien, mais je suis niveau 10, hein, avec tout le charbon que j'ai pu récupérer. Allez, on peut sortir d'ici. Là, il me faut de la nourriture et de quoi faire un lit. Donc ce serait bien que je trouve un mouton supplémentaire. Il faut que je trouve de la nourriture. Oh là 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 là. Ouf. Alors ça, c'est... Ça, les trucs empoisonnés là. Est-ce que les baies ça repoussait là-bas? Oh là là, oh là 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 là. Oh, j'ai fait quelque chose d'intéressant. Attendez. Non, là c'est pas intéressant du tout par contre. Ah si, les baies ça repousse, mais c'est pas encore. Pas encore ça. J'ai vu un ent, il me semble. Un homme arbre. Mais là, c'est un peu trop risqué. Oh là là, j'ai que 2 cœurs et demi. Il me faut à manger. Je vais longer un petit peu là. Faut que je trouve des animaux. Parce que là, je suis un petit peu mal. En plus, ouais, la forêt est un peu dense là, donc du coup, les monstres ils peuvent spawner. Il faut que je me méfie de ces trucs empoisonnés surtout. Allez, petit mouton, vache, cochon. Bon, hippogriffe y en a, mais c'est pas vous que je vais attaquer. Hein. Oh là là là. Ah, des baies, c'est bon. Ah, j'entends un zombie qui part. Alors attention à ça. Ah, c'est bien là, il y a pas mal de baies. C'est pas mal, on va réussir à se remonter. Allez, oups. On y croit. Allez, faut que la vie remonte là. On va récupérer un petit peu plus de baies, on aura de l'avance. Ouf, on se sent un peu mieux. Allez, faut que la vie continue à remonter. Ces hippogriffes partout, c'est pas possible. Je vais récolter un peu de bois supplémentaire, hein, tant qu'on est là. Faut que je trouve un mouton. Oh là là, c'est pas vrai ça. Oh non, en plus je m'empoisonne. Malheur, malheur, malheur. Oh là 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 là, la plaie. Ouh. C'est laborieux, hein, c'est les débuts. Hein. Allez, il faut que mes cœurs ça remonte là. C'est ça, il faut vraiment que je me méfie de ça.
Soyons prudents. Faut vraiment je regarde où je mets les pieds. Allez. Bon, ça y est, j'ai tout mangé déjà. Allez, il me faut à manger et du mouton. Wow. Je vais faire de la soupe de champignons, hein, sinon. On a des champignons rouges. Ça, je sais pas si ça se mange, ça. Voyons voir. Poudre de champignons. Ouais, ça peut l'air top. Pas l'air top comme ça à première vue. J'ai du champignon rouge, mais est-ce que j'ai du champignon marron quelque part? Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que ça? Ah, c'est... Non, un raton laveur. Non, un panda. Ok, ouf. Il a pas l'air de bonne humeur. Bon, j'ai que du champignon rouge. Ça ne sert pas à grand chose. Je vais récolter quand même si jamais je trouve du champignon marron. On se fera des soupes, hein. Pour commencer. C'est toujours ça. J'hésite à... pour la direction à prendre, mais bon. Je vais aller un peu dans ce marais, peut-être que je vais trouver d'autres champignons. Bon, il a pas l'air agressif le panda, ça. Oh là là, j'aime pas le cri par contre. Ok. Ah, un crocodile, quelle horreur. Oh là là, il y a des crocodiles. Je pense pas qu'ils soient super amicaux. Oh non, un squelette. Oh là 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 là. Non. Bon, je vais au milieu des crocodiles, hein, tant pis, je prends le risque. Cochon, cochon. Oh là, des ours. Est-ce qu'ils sont agressifs, eux? J'en sais rien. Oh, un éléphant. Trop bien. Ok, petit steak. Je fais cuire vite fait, hein. En plus, ça sera un peu plus efficace. Ouais, voyez, j'ai beaucoup de charbon, hein, ça va. Oui. Un petit. Tous ces cris là. Oui, la vie remonte enfin. Eh ben. Bon, c'est pas top top, mais c'est déjà beaucoup mieux. Du coup, on va regarder un peu par là. Okay. C'est quoi ces cris là? Non, il m'a repéré lui, non? Non, j'ai peur. Une vache! Mais alors? Mais... Yes, allez, du steak. Une souris, non je rêve. Allez, je me fais cuire, voilà, cette viande-là, et je vous retrouve tout de suite. Allez, c'est bon, je sens un petit peu mieux, sauf que la nuit va tomber. Je pense que je vais chercher une grotte encore, hein, du coup, pour passer la nuit, en attendant de trouver d'autres moutons. Oh là là, mais c'est quoi ces cris, là? Allez, on va essayer d'aller de l'autre côté. Ouh. Qu'est-ce qui m'attaque? Crocodile.
Ouf. Oh là 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 là. En plus on se fait attaquer par les animaux, non mais... J'ai eu chaud, j'ai eu chaud, j'ai eu chaud, j'ai eu chaud. Vite, allons sur la terre ferme. Waouh, waouh, waouh. Eh ben... Compliqué, hein. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Ah, oh, super. La fourrure. Ça fait de la laine. Top. Ah ben voilà, on va pouvoir se faire un lit. Eh ben... Allez. Allez, on va... non, peut-être pas... Hop, je passe juste sous la branche. On va dormir là, hein. Eh ben... Vous vous réveillez d'un rêve étrange. Vous l'écrivez vite avant que votre mémoire ne s'estompe. Ok. Et je me retrouve avec... Rêves étranges. J'ai eu un des rêves les plus étranges la nuit dernière. Dans le rêve, je prenais trois de ces cristaux que j'ai trouvés, accompagnés d'une poignée de redstone, et je les écrasais dans un bol en utilisant un silex. Les cristaux devaient être de type différent, mais si je faisais tout ça tout correctement, le résultat était une sorte de poudre brillante et étrange. Dans le rêve, j'ai pris la poudre et l'ai dispersée sur une bibliothèque, mais je me suis réveillé avant. Je me demande, devrais-je faire ce que le rêve m'a montré ? J'ai l'impression que la poudre allait me révéler quelque chose de merveilleux, mais dangereux. Ok, d'accord. Bon, alors d'après ce que j'ai compris, il va falloir que je trouve d'autres cristaux, de la redstone, et que je me fasse une bibliothèque. Bon. On a un squelette là-bas. Ah, on a un ent aussi là-bas. Bon. Je vais m'éloigner de ces marais là, parce que là, les crocodiles, merci quoi. J'ai failli y passer. Ah, j'ai entendu cochon encore. Non, mais c'est pas vrai. Bon. Je me refais... Oh non. Oh là 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 là. Quel malheur. Il y a des squelettes partout, partout, partout. Je me fais cuire, alors voilà, bon, j'ai repris de la côtelette. Allez, je me refais cuire de la viande et compagnie, et on se retrouve. Bon, ça m'agace un peu, hein, ces histoires de squelettes partout, là. Je me suis fait un bateau, voilà. Allez. Par contre, j'avais trouvé de... Il me semble que j'avais vu de la canne à sucre à un moment. Mais bon. Parce que pour me faire la bibliothèque, il va falloir de la canne à sucre. Beau, regardez. Je crois qu'il y a du cochon ici, j'en profite. Bon, il n'y a pas de canne à sucre ici. Là on a une grotte, mais plus tard, tant qu'il fait jour, je vais chercher de la canne à sucre. Quitte à revenir un peu par là-bas. Ah là là. Donc ouais, faut que je trouve de la canne à sucre, du cuir. Ah, on a de l'ambre ici, mais bon, on va laisser pour cette fois. Du cuir, voilà, pour tout ça, tout ce qu'il faut pour faire des bibliothèques. Et il faudra que je trouve d'autres cristaux, apparemment. Oh là là. Bon, il y a pas mal d'animaux. Il me semblait qu'il y avait de la canne à sucre à un moment. Je reviens peut-être pas vers où j'étais en fait là, je crois que j'ai pris une autre direction. Bon, c'est pas grave. Oh, je vois des cristaux là. Et c'est pas que dans les grottes en fait alors. Ah, des jaunes. R. Ok.
tiens, bon. Il m'en fallait 3 sortes. Bon, mais là, j'en ai déjà 2, du coup. Allez, on continue notre petit périple. Ce serait bien qu'avant la fin de l'épisode, quand même, je trouve ce qu'il faut pour avancer un petit peu. Allez, je vais longer. Je vais trouver de la canne à sucre. Ça y est, j'ai pas dû aller beaucoup plus loin en fait pour en trouver. Vous voyez, on est juste là. Mais il faudrait que je trouve du cuir. 7. Non, je n'aurai pas assez. Au pire, je la replanterai. Allez, il me faut que je trouve de la vache. Là, on a une sorte de chèvre. Je continue à avancer et on se retrouve si je trouve quelque chose. Hop, j'ai débarqué à nouveau parce que j'ai vu des cristaux encore d'une couleur différente. Intéressant. Cristaux d'entropie. Perditio. Bon. Bon ben, du coup j'ai 3 sortes déjà. C'est pas mal. Mais j'ai toujours pas de vache. Et ni la canne à sucre manquante. Ah, il y en a là-bas. Bon, bah, je vais la récupérer. Hein, et on se retrouve. Ça y est, allez, j'ai trouvé quelques vaches. Bon, une action petite, malheureusement. Ouais, avec l'épée, ça sera un peu plus efficace. Bon, j'ai un cuir. Il m'en faudra 3. Hein. Je vois des baies ici. Alors, attendez... On commence à avoir pas mal de choses à l'inventaire. On fera du tri à un moment, hein, je pense. C'est pas mal ces petites baies là. Ça permet de dépanner. Ok, du mouton. Un épouvantail. Bon. Je crois que j'ai vu des vaches. Ah oui, c'est des vaches blanches. Elles essayaient de se fondre dans la masse des moutons. Mais ça ne marche pas. Oh là là. Bon, on a pas de... J'ai que un cuir pour l'instant. On dirait qu'il y a pas mal de vaches ici. Oh, j'entends trop de cris là, ça me stresse un peu. Il y a du zombie, ok. Oh, c'est bon, je vois plein de vaches. Bon, on est bien là. Oh, des pommes. Yes, du cuir, nickel. Et il me faudra de la redstone. Bon. Oh, des... je me demande si c'est pas un arbre magique ça de... Ouais, de Tomcraft. Je crois que c'est intéressant ça aussi. Ces fleurs. Comment elles se récoltent? Ouais, je crois qu'elles serviront. Je crois qu'il faut... Oh là là, il va... Ok, il y a des ours là, des ours noirs. Je vais récolter ces fleurs et on va se récolter un peu de ce bois. Je crois qu'il est pas mal pour la suite. Juste un peu. Hein. Et on va creuser parce qu'il me manquera de la redstone. Allez, on va se contenter de ça pour l'instant. Est-ce qu'on a une grotte par là? Sinon, je vais me la créer moi-même. Hein. Yes. Enfin, aussi. Allez, un petit creeper. Salut. Hop. Des cristaux, des cristaux. Ça, j'aime. On ne les avait pas, ceux-là, encore. Oh là là. J'ai beaucoup de choses. Les pousses, on va les jeter. Hors d'eau. Bien. De l'ambre. De l'ambre. On prend. Oui, il fait nuit, mais en même temps, j'ai un lit, s'il y a besoin. Waouh.
faudra aussi du silex. Bon, ça on va trouver. Hein. Voilà, des petits blocs. On va manger un petit peu. Hein. J'ai plein de viande à faire cuire. Ça c'est cool. Peut-être alors. Attendez. Par ici. Je vais poser le four pendant. Comme ça, pendant ce temps. La viande va cuire. Voilà. Essayons d'être un petit peu organisés. Hop. Et voilà. Moi j'en ai un petit peu à manger là. Allez, on avance. Un petit peu de quartz. On prend de l'ambre. On prend. Oh, ça se finit là. Bon, j'ai un petit peu de fer, mais ça, je vais attendre pour le récupérer. Et par ici, ça a l'air de bien descendre. On va boucher. Tant qu'à faire, hein, parce que là, on va être un petit peu embêté. Oh, de l'ambre et de l'ambre. Et du quartz. Bon, bah, je continue à descendre et puis on se retrouve. Allez, j'ai trouvé du silex, c'est bon. Il nous manque la redstone. J'ai pas fait de pelle, bon c'est pas grave. Hop, on arrive dans des petites grottes. Des grottes arborées. Faisons attention, soyons prudents. Ok. Bon, bah, je continue à avancer, hein, bien sûr. Bon, étrangement, j'entends du vent. Bon. Mais j'ai trouvé encore des cristaux. Ceux-là, j'en ai un. Ah, de l'or. Cool. Ah oui, d'accord. Il y a de l'orage dans l'air. Bon. D'accord. Je suis aussi bien dans la grotte, je crois. Ça descend encore ici. Allez, ben, je continue à descendre. Et on se retrouve. Allez, ça y est, j'ai trouvé la redstone qui me manquait. Donc c'est bon, on a tous les éléments pour faire, pour suivre la recette voilà, qui est notée dans le livre. Mais voilà, ben l'épisode est déjà bien avancé, donc on va s'arrêter là, on découvrira tout ça dans le prochain épisode. Donc j'espère que ben, ce premier vous aura plu et que vous serez là pour la suite. Allez, je vous dis à la prochaine, ciao !